Bonjour à tous, je suis Hervé du site hervécuisine.com. Bienvenue, alors aujourd'hui nous allons réaliser la fameuse recette des popcakes, donc ces petits gâteaux enrobés qui se dégustent au bout d'un petit bâtonnet comme une sucette et qui font une fureur aux États-Unis. En 2011, ça a été la pâtisserie de l'année aux États-Unis et ça arrive chez nous. Alors, pour commencer, voici les ingrédients dont vous aurez besoin pour cette recette facile. Donc, vous aurez besoin d'un 4 quarts. Donc ici, j'ai deux 4 quarts que j'ai fait moi-même. Donc, un 4 quarts nature, donc pâte plutôt blanche. Et un 4 quarts au chocolat. Simplement, j'ai ajouté une grosse cuillère à soupe de cacao en poudre. Vous pouvez en réaliser à partir de plein de saveurs différentes, à la pistache, au citron, ce que vous aimez. Voilà. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez également acheter, mais je vous le déconseille, un 4 quarts industriel, bien évidemment. Voilà. Donc, vous aurez également besoin donc, de chocolat. Ici, donc, c'est du chocolat de couverture. Vous pouvez prendre du chocolat à pâtisser, tout simplement. Voilà. Ici, du chocolat au lait, du chocolat blanc. Pour lier, donc, nous allons réduire notre 4 quarts en poudre. Nous aurons besoin de mascarpone et avec un petit peu de sucre glace ici. Et enfin, d'un point de vue technique, vous aurez besoin de petites décos. Donc voilà, des petites perles colorées, des petites perles blanches, des petits copeaux de chocolat, ce que vous trouvez, ce que vous aimez. Et des petits bâtonnets, donc des petits bâtonnets en bois, par exemple des petits pics ou des petits bâtonnets en plastique, ce que vous trouvez. Et un socle pour accueillir nos petits bâtonnets. Voilà. Nous allons commencer par la première étape, qui est la plus facile. On va réduire en miettes notre 4 quarts. Donc en fait, on a fait un 4 quarts, on va le déstructurer et le restructurer ensuite en petites boules. Donc c'est parti, j'y vais. Donc vous pouvez utiliser soit une râpe par exemple, et c'est très simple, hein, voilà, hop, on réduit en poudre vraiment en miettes le 4 quarts. Voilà. On va avoir un petit moment et nous retrouvons 4. Alors, regardez, j'ai réduit en miettes. Donc mon 4 quarts au chocolat, pareil pour le 4 quarts nature. Et maintenant donc nous allons nous occuper de réaliser une pâte donc pour pouvoir former des boules. Alors déjà je vais rajouter un petit verre de sucre glace pour ma préparation et ensuite du mascarpone. Donc vous commencez avec une bonne cuillère à soupe de mascarpone comme ceci et avec la cuillère en plastique, voilà, vous allez venir intégrer le mascarpone. Alors à un moment donné, il faudra y aller avec les mains. Hein. Voilà, ben, je pense que je vais y aller même direct avec deux grosses cuillères de mascarpone. Voilà, et on y va. Donc l'objectif ici, c'est d'obtenir une pâte avec laquelle on pourra former donc les boules de nos popcakes. Voilà, donc je continue à travailler ma pâte et je vous retrouve. J'ai retroussé mes manches hein, et regardez avec les mains, regardez la pâte que vous obtenez. Voilà. Pour montrer la texture, elle est bien humide, bien moelleuse, c'est parfait. Et donc ça va être super malléable maintenant pour faire nos petits popcakes. Alors, vous préparez ici un plateau, une planche avec une feuille de papier sulfurisé. Pour faire des petites boules de taille homogène, moi je vais utiliser une espèce de cuillère à glace comme ceci. Vous la rentrez, hop, vous faites à niveau et tac, voilà, ça vous fait une petite boule. Vous la roulez entre vos mains de façon à ce qu'elle soit bien ronde, voilà, comme ceci. Et ça va faire nos petits popcakes. C'est parfait. Donc je procède ainsi avec toute la pâte. Voilà, ça c'est pratique. Vraiment, ça vous donne la même quantité de pâte pour chaque boule et donc tous vos popcakes auront la même taille, seront bien ronds et ce sera parfait. On peut les rouler, vous pouvez même les rouler sur le plan de travail pour qu'ils soient bien, bien ronds. Et voilà. Et vous les disposez donc sur votre planche de papier avec du papier sulfurisé. Et ensuite, très très important, avant d'entamer la suite, nous allons mettre nos popcakes au congélateur 10 à 15 minutes maxi pour qu'ils deviennent un petit peu fermes. Voilà, c'est tout. Alors je vous retrouve tout de suite. Après 10 minutes passées au congélo, regardez. Mes petits popcakes sont un peu plus fermes maintenant, ils sont bien froids et ça va permettre donc à notre ganache au chocolat de bien adhérer. Donc ici, au bain-marie, voilà, donc le bain-marie, ici c'est un récipient à double paroi avec de l'eau à l'intérieur, ce qui permet de faire fondre le chocolat tout doux, comme ça il ne cuit pas et il reste bien liquide. Regardez, il n'a bien ma cuillère, voilà, super. Et si vous n'avez pas de bain-marie, vous utilisez deux casseroles,
une un peu plus grande que l'autre, et dans la plus grande vous mettez de l'eau et vous mettez la plus petite dedans tout simplement. Et voilà, donc ce que je vais faire maintenant, c'est très simple. Je vais prendre un pic, un premier pic, d'accord, vous le trempez dans le chocolat et ensuite vous venez le planter, hop, dans le cupcake, dans le popcake. Voilà, et vous laissez prendre quelques minutes. On procède ainsi avec tous les popcakes. Voilà, on vient planter le bâtonnet. Alors le bâtonnet, vous le plantez à peu près sur 1 cm, hein, jusqu'à la moitié à l'intérieur du popcake. Vous ne traversez pas le popcake, bien évidemment. Et on va laisser prendre comme ceci. Voilà. Et j'enchaîne. Donc ça, c'est la première étape. Voilà, comme ceci. Et c'est parti, donc vous faites comme ça avec tous les popcakes. Et on se retrouve tout de suite. Voici, regardez. Je commence à confectionner mes popcakes, donc c'est très très simple. Ici, le chocolat a durci, ce qui fait que le bâtonnet est bien tenu à l'intérieur du popcakes. Donc, on va pouvoir le plonger dans la ganache de chocolat blanc. Voilà, comme ceci. Et ensuite, donc, le faire tourner. Donc, il faut patienter un petit peu, hein. Le faire tourner en tapotant délicatement, voilà, pour faire tomber l'excédent de chocolat. Vous voyez, hop, voilà. Et une fois que c'est bon, ben vous allez venir poser le cupcake, le popcake, je vais y arriver, sur son support. Donc vous pouvez utiliser, par exemple, pourquoi pas une mousse de composition florale, par exemple, hein, ou un, voilà, ou du carton, enfin. Vous allez trouver quelque chose et voilà. Et ensuite, donc, vous laissez le chocolat prendre quelques instants. Hein. Et ensuite, c'est très simple. Ici, je viens mettre des petites perles de sucre coloré, par exemple. Mais vous pouvez imaginer plein de décorations. Le rouler dans de la noix de coco râpée, parsemée de vermicelle de chocolat, par exemple. Voilà, enfin, c'est infini. Vous avez des petites perles de sucre comme ça, blanches également. Voilà, plein de choses. Et ensuite, je m'attaquerai donc à mes popcakes à base de 4 quarts nature. Donc l'intérieur sera blanc et cette fois-ci, je ferai un revêtement de chocolat au lait. Voilà, et bien écoutez, je vous ai livré les secrets du popcakes à la française. Amusez-vous bien, c'est très très ludique, les enfants vont adorer. Vous pouvez ensuite, pourquoi pas, les emballer dans des petits sachets avec des petits rubans. Enfin bref, ça s'offre comme des petits cadeaux, pourquoi pas, pour la nouvelle année, en souhaitant une très très bonne année. Voilà, bonne recette, à très bientôt sur hervécuisine.com.